j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur les Sims de tête pour vous montrer un petit peu tous les vêtements qu'on a dans le pack d'Istadine. Et pour vous dire, c'est vraiment pas dégueu. C'est même magnifique. Les détails sont vraiment présents, hein, franchement. J'ai rien à dire. Les coiffures sont magnifiques, les vêtements super bien travaillés, les accessoires, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de maquillage d'ailleurs, je suis un petit peu déçue, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et bon, je ne suis pas non plus déçue à 100% parce que le pack quand même apporte beaucoup d'autres choses super bien. Donc je n'ai pratiquement rien à dire à ce sujet-là. Sinon, les objets, non les objets, il n'y a pas d'objets surtout, voilà. Il n'y a pas d'objets dans le mode créatif. Sinon, là, bah, vous voyez Penny. Je crois qu'elle s'appelle Penny. Non. Mais non, elle s'appelle Penny. Ah si, elle s'appelle Penny. Oulala, mais carrément à l'ouest de la fille. Et bah, sinon, bah voilà, franchement, elle est super belle. Et ouais, je suis pas déçue des tenues. Les tenues ont pas non plus trop de couleurs d'après ce que d'autres youtubeurs ont décrit. Je ne suis pas déçue parce que je trouve ça bien en fait que ça change du quotidien d'avoir tout le temps des tenues sobres, blanc, noir, rouge, etc., etc. Je trouve ça bien d'avoir plusieurs couleurs, ça apporte quelque chose vraiment au jeu. Donc ça, franchement, je ne suis pas déçue. En plus, ce pack apporte mes masses de trucs en mode construction. Je suis super contente, hein. Mais c'est aussi normal parce que c'est un pack d'extension et il est à 40€. Donc ouais, c'est un petit peu normal. Normal, pardon. Même si je l'ai payé 15€ parce que je passe par instant gaming et bah du coup, bah c'est 10 fois mieux, voilà. Bref, je l'ai eu il y a pas longtemps. Du coup, je voulais absolument vous faire une vidéo parce que j'en ai fait une pour Heure de Gloire. Donc pourquoi pas en faire une pour Vistadine. Par contre, je vous ai fait ça à l'accéléré parce que je n'avais pas envie d'attendre. Voilà, je n'avais très clairement pas envie d'attendre de jouer au jeu, de construire dans des appartements. Parce qu'au moment où je l'ai eu, bah, je ne pouvais pas vraiment construire encore parce que je l'ai eu juste avant que je parte chez la famille, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Non, pas du tout dans la dernière vidéo, mais dans un speed build pour le challenge de Jaira 978. J'espère que je ne pars pas trop vite. Hein. Mais dites-moi, reprenez-moi en commentaire si je dis un petit peu n'importe quoi. Mais bon voilà, du coup, là c'est bon. Je vous ai, franchement, je... Waouh! Les appartements, waouh! Certes, on a un temps de chargement quand on va chez le voisin, mais personnellement, le mode construction, ah là 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 là, il est magnifique. C'est... Mais vrai, franchement, il y a des couleurs partout, mais je trouve ça cool en fait, ça change vraiment du quotidien. Ça change de la vie de nos scènes, totalement banale. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas parlé tant que ça, hein, franchement, parce que la vidéo est courte aussi, elle dure 3 minutes et quelques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude en mettant la cloche de notification car nous sommes actuellement 200, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, normalement, si cette vidéo sort pas avant, voilà. Mais sinon, encore merci, franchement, ça me fait super plaisir. Du coup, bah, voilà, je vous laisse vous abonner, liker et aller voir une autre de mes vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt.